Salut tout le monde, c'est Reptalion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui reprend un personnage que tout le monde connaît. Petit indice, il est rond, jaune, et il se fait harceler constamment par des fantômes. Je pense que vous avez tous deviné que c'est Pac-Man, mais on se retrouve pour un Pac-Man assez étrange en fait. Je vais vous laisser découvrir, on va découvrir ça ensemble. Donc en fait, c'est Pac-Man en vue FPS, ce qui est assez marrant. Du fait qu'on n'a pas l'habitude de jouer à Pac-Man comme ça. C'est bien la première fois que j'y joue. J'avais vu ce mode de jeu et m'avait pas mal plu. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dessus. Il ferait limite peur ce jeu. Ah, j'ai pas vu le jeu! J'ai plus d'armes! J'ai plus d'une arme! Je pense que... Ouais, je vais quand même... Parce que le but, en fait, c'est pas de prendre toutes les bouboules, mais... de trouver une clé. Et de pouvoir... s'en aller tout simplement, en fait. Ah, voilà la clé que je parlais il y a 2 secondes. Shotgun! Voilà, donc c'est des petits jeux sympas. Et donc ce coup-ci, on est dans la Blood Edition. Ok, d'accord. Ça commence déjà assez bien pour la Blood Edition. Je sais pas si c'est pareil, si vous trouvez la clé. Je sais pas si c'est exactement le même fonctionnement. Donc j'espère juste qu'il n'y aura pas de droit d'auteur dessus, sinon je serai un peu dans un caca avec le Gangnam Style psy et cette musique que je connais pas. Oui, c'est le Gangnam Style les psy. En espérant que je tombe sur une bubble bleue, parce que si je tombe sur un gros Pac-Man. Donc vous, déjà vous l'aurez compris, on n'est pas les Pac-Man mais les fantômes. Et si je tombe sur les Pac-Man, et bah ce risque de faire assez mal. J'ai l'impression qu'il ne meurt pas en fait. Ok, vive le bug. J'ai l'impression dans ce mode qu'il ne meurt pas en fait. On a beau tirer sur eux, ça fait rien, faut juste les esquiver, j'ai l'impression. Ah si, il meurt. Il meurt et ils font des mares de sang. Ah mais c'est trop chaud celui-là. Ce mode là il est extrêmement chaud par rapport à celui d'avant. Celui d'avant est extrêmement simple. Mais j'aime bien relever des défis. Je sais pas si vous avez vu mais il y avait un bout de Pac-Man qui les passait. Putain, il m'a eu. Je ne
sais même pas si j'arriverai à réussir ce niveau. Je ne veux pas savoir ce que vous faites. J'espère que j'arriverai à résoudre. À réussir ce niveau en vidéo. J'ai juste vu, je me suis barré. Encore. D'ailleurs, étrange que les fantômes courent. Théoriquement, ils volent. Théoriquement, ils ne se font pas bouffer par le Pac-Man. Oh, je rigole. Alors. Ok. C'est bien de prendre par derrière, petit bonhomme. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi à chaque fois que je meurs, eh ben j'entends plusieurs fois le. On n'a pas vu ? J'ai l'impression qu'il y a des bugs. Ok, il fallait pas que je tire. Donc je pense pas pouvoir réussir jusqu'à la fin. Il est extrêmement dur ce niveau. Notamment du fait que si je me fais bouffer par un Pac-Man, des fois je perds de vie comme ça s'est passé tout de suite. Donc c'est trop chaud. Donc du coup, je pense que ça sera le dernier essai. Si j'y arrive pas, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais même pas comment. Ta gueule, je parle. Je ne sais même pas comment elle a fait pour me bouffer, mais du coup, c'était assez étrange. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ces jeux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en redécouvrir d'autres. Ou n'hésitez pas aussi à me dire des jeux que vous voulez que je joue. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Okay. Et à vous abonner sur ma chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait à faire de meilleures vidéos. Et sur des thèmes variés, quoi, tout simplement. Eh bien, je vous dis à bientôt les amis. Tchuss!